Salut à tous, si vous aimez la musique, si vous aimez le rock, vous allez passer une heure complètement infernale sur FR3 grâce à quelques-uns des meilleurs moments d'une émission baptisée Clip Clap qui était diffusée sur le réseau Rhône-Alpes Auvergne le samedi une fois par mois entre 18h et 19h. Et c'est justement avec une des fiertés de cette émission, fierté pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont lyonnais et puis parce qu'on a été les premiers à savoir qu'ils avaient beaucoup de talent. Le groupe s'appelle L'Affaire Louis Trio, tout mais pas ça, rock en stock, c'est pendant une heure. Ma belle, elle n'arrête pas à me rappeler, me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh, 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 elle fera un malheur, oh, 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 elle tuera mon bonheur, oh, 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 elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Non. Sans cesse que si je la délaisse, oh, 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 elle fera un malheur, oh, 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 elle tuera mon bonheur, oh, 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 elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Ça, l'affaire Louis Trio, un titre que l'on peut retrouver sur leur premier 30 cm qui s'appelle Chic Planet. Lorsque nous les avons reçus, ils étaient loin d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui, un succès qui est tout à fait justifié d'ailleurs, au demeurant. Et c'est un peu le cas des personnages qui vont suivre dans quelques instants. Ils étaient totalement inconnus il y a quelques mois et aujourd'hui ils font partie de ces jeunes gens qui renouvellent un peu la variété française. Vous allez voir dans quelques secondes les Innocents avec Jody, les Ablettes avec Jackie S'en Fout, les Avions, Bipop, Pigeon, Cache-Cache Party et tout de suite Niagara avec Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Je
partir ce train. Tu sais, le grand voyage, ce n'est pas pour demain. Chose à perdre si tu t'en vas. Jody, disparaît, n'attends pas. La chance ne passe jamais deux fois. Partir, rouler jusqu'à la mer. Prendre un avis, voir s'éloigner la terre. Partir, maintenant ou jamais ton roman, referme la page, laisse partir ce train. Tu sais, le grand voyage, ce n'est pas pour demain. Jody, tu le sauras, Jody, tu le sauras, Jody. Jacques, il s'en fout carrément. Et Jacques, il vit dans un roman. Et Jacques, il joue ailleurs maintenant. Maintenant, et son esprit et son cœur a dérangé par erreur. Le regard perdu comme absent, je crois qu'elle voyage entre quatre murs blancs. On l'a rendue folle et sauvage en l'enfermant. C'est l'oiseau qu'elle a là-dedans. Il s'envole en chantant. Corps à corps, un courant d'air.
est-il en enfer? Atlantique a l'air de s'y plaire. Deviennent-ils? Ils vont très bien, merci pour eux. Gérard Blanchard vient de sortir un 45 tours qui s'appelle Amour de voyous. Jérôme Pigeon, Mensonge d'une nuit d'été, Les Innocents et Le Temps n'attend pas. C'est leur dernier 45 tours qui est très très bien. Les Avions, dernier album des Avions, deuxième album qui s'appelle Fanfare, c'est également le titre de leur tout dernier 45 tours. Les Ablettes, un album sublimissime qu'il faut que vous ayez en triple exemplaire dans votre discothèque. Deuxième album pour Niagara qui s'appelle Quel Enfer. Muriel et Daniel sont en pleine forme. C'est exactement le même phénomène que l'on a observé avec les Portmanteaux. Ils étaient venus nous rendre visite il y a quelques mois, venus nous présenter leur premier album, que voici que voilà, qui s'appelle Plus d'amour. Et à ce moment très précis, lorsque nous les avons rencontrés, on ne se doutait pas une seule seconde que Elsa Frohlein allait cartonner au niveau du top 50. Alors ce que je vous propose, avant de découvrir leur deuxième album, qui sortira probablement en septembre, et qui portera le nom de Misérables, eh bien, c'est justement un titre extrait de ce 30 cm et qui s'appelle Les Jardins de la Misère, les Portmanteaux.
Le Jardin de la Misère, c'était les porte-manteaux. On passe au hard rock avec deux groupes, Présence, un groupe de Grenoble avec un morceau qui s'appelle Rock'n'Roll. C'est une reprise de Led Zeppelin. Et tout de suite, Vulcain, faire du rock. Ça tombe bien, on est justement là pour ça. Deux albums que vous devez vous procurer de manière urgente si vous aimez ce genre de musique, l'album de Présence et l'album de Vulcain.
On va changer de musique, on va changer de personnage, parce que justement, une des politiques primordiales de Clip Clap, c'est avant tout et surtout l'éclectisme musical. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on tombe sous le charme de Sappho, Maman j'aime les voyous, et qu'on tombe également sous le charme de Ruth, la chanteuse des cerises Perrier Lendemain Promesse. Le plus fort d'une histoire d'amour, à chercher sans rien calculer, le maximum d'intensité, à trouver toujours la force de ne rien renier. Les erreurs, la douleur, m'ont entamé encore à corps. Quand tout me pousse à voir le ciel couleur du désespoir, quand tout s'éclaire en relevant le défi du soleil insolent, je veux croire encore, j'ai le cœur qui bat de plus en plus fort. Thank you.
Ça faut. Le genre musical qui va suivre, c'est un genre musical que l'on appelle rock alternatif. Vous en avez peut-être entendu parler par l'intermédiaire d'une médiatisation soudaine autour de certains groupes comme les Berruriers Noirs, par exemple. Médiatisation due au fait qu'on s'est aperçu subitement que ces jeunes gens vendaient énormément de disques et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens lors de leurs prestations scéniques. Alors, comme exemple de rock alternatif, eh bien, je vous propose des jeunes gens au look absolument charmant. Le groupe s'appelle Les Garçons Bouchers, le titre de la chanson. Que vous allez voir et entendre, c'est la bière. Inutile de vous dire que ça fait très très mal par où ça passe. Les Garçons Bouchers, la bière, les membres des Garçons Bouchers que l'on peut retrouver dans différents groupes rock alternatifs comme par exemple Puigal ou alors Los Carayos. Je vous aurais pratiquement tout dit lorsque je vous aurais précisé que ce jeune garçon s'appelle François et que avant de se lancer dans la musique, il était instituteur. Toujours dans le même esprit, toujours dans le même genre musical, et bien je vous propose trois groupes, les Wad Wines, ce sont des Belges, les Snapping Boys et tout de suite la Souris Déglinguée. Chez les anges, les sûrement pointés là-haut, au paradis des gants. Eddie, Eddie, Eddie John, si jamais tu m'entends, réponds-moi en chantant. Eddie Jones, c'est fait un d'entre eux, un mélomane très dangereux. Eddie Jones! <t'en>
c'était l'un d'entre eux, un mélomane très dangereux. Bam 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 bam. Thank you.
Le dernier album des Snappy Boys est sorti, il s'appelle Domino Punch Out. Il a été enregistré à Tarare dans un studio 48 pistes, tenez-vous bien, qui s'appelle L'Hacienda, et il a été produit par un Américain du nom de Jeff Erich. Vous savez absolument tout. Et le spectacle continue avec les Rennais de Marc Seberg, Jeux de Lumière, le Dijonais Hubert Félix Thieffen avec un morceau très facile à prononcer qui s'appelle Sweet Amanite Fallowed Queen, et ensuite vous verrez, vous entendrez les Blaise Berger. Des jeux de lumière qui éteignent les yeux du mystère, une suite de gestes lents dans l'air chauffé à blanc, une suite de gestes brefs révèle d'autres facettes, comme la danse des paires de rosées sur les fils d'une toile d'araignée, et si l'espace d'un court instant, l'étoile de mer en de lumière se dévoile. Dans le jeu de lumière, ces autres chants s'y amorissent en petits pas sournois. Elle se dérobe, puis s'abandonne, furtive à ses caresses, un sourire sur les lèvres. Regarde comme le ciel est changeant, un arc-en-ciel de sentiments, et quand il devient menaçant, comme il effraie l'enfant, irréel. Dans les jeux de lumière, où est-elle? Dans les yeux du mystère, je suis. Thank you.
Toujours d'actualité, le dernier 30 cm de Marc Sebin qui s'appelle Lumière et Trahison. Moins d'actualité puisque le groupe malheureusement s'est séparé il y a quelques temps. Un album live enregistré en public donc pour les Blaze Virgin qui s'appelle Jour de fête. Quant au titre du dernier 30 cm de Hubert Félix Stéphane, il s'appelle Eros Uber Hall. Pour poursuivre ce rock en stock, voici les Guerrieros, Batman Diplomatics et sans plus tarder Roxette avec Les Filles aiment les carottes.
Eh bien voilà, c'est pratiquement terminé. J'espère que vous avez passé un très 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 bon moment en notre compagnie. On a commencé l'émission avec un groupe de Lyon qui s'appelle l'Affaire Louis Trio. On va terminer avec un qui est également originaire de Lyon. Faut-il préciser qu'il fut pendant des années durant le chanteur de Starshooter et que c'est un dessinateur qui a déjà à son actif 6 bandes dessinées. On va terminer avec un titre qui est extrait de son troisième et dernier album qui s'appelle Le Mur du Son et le titre en question c'est Isadora Duncan Dance. A très bientôt sur la 3, salut à tous. Chasser le naturel. Isadora Duncan danse. En regardant la mer simplement, on apprend l'essentiel. Isadora danse, la révolution. Isadora danse, et c'est un affront. Isadora danse, la révolution. Isadora danse, et c'est un affront. Insouciante, élégante.